Coucou les choucroutes, nouveau décor! Wouh! Y'a Link, y'a Elle, y'a Chrysalis, y'a Celestia, y'a Belle, y'a tout ce que j'aime! Oui! J'espère que ça vous plaît. On recadre un peu sur ma tronche, s'il vous plaît, merci. Nouvel épisode de l'histoire des Degalientis, on en est au 13 ou au 14, je sais pas. Je sais plus, je ne sais plus. Et ce sera un épisode spécial, encore une fois, puisque comme vous l'avez vu dans l'intro, j'y ai arrivé, hein, je viens de me réveiller, j'étais dans le cul, bravo, l'épisode sort dans 6 heures, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez vu dans l'intro, donc on va jouer Iris ou Isis, parce que Iris, c'est bon, hein, parce que je me trompe tout le temps. Donc Iris qui a bien grandi, que je trouve super kiki. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouh, un gros boule. Mon dieu, je crains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Iris? Je vais vous expliquer déjà un petit peu. En fait, Iris a vraiment accroché avec Bertie. Et Bertie, il a en quelque sorte envoûté, si on peut dire ça comme ça. Iris a toujours voulu revoir Bertie, mais elle n'a pas pu. Donc là, maintenant qu'elle est ado, j'estime qu'en fait, elle s'occupe pas de l'école, elle s'occupe pas vraiment de sa famille, elle a juste un but, c'est de retrouver Bertie. Donc dans cet épisode, on va lui faire parcourir différents lieux pour essayer de la retrouver. Donc vous voyez, elle a les devoirs, elle s'en balèque. Et je vais vous présenter un petit peu la famille, je sais même plus qui a fait Iris, hein, honte à moi, donc je l'ai noté, mais j'ai la flemme de regarder. youtubeuse indigne, c'est moi, oui c'est moi. Si tu te reconnais, n'hésite pas à dire c'est moi, comment t'as pu m'oublier Moru, je me désabonne, pouce rouge, tout ça. Voilà. Donc la famille d'Iris se comporte de son frère, donc je sais pas si c'est son frère jumeau, mais comme ils ont le même âge, je vais dire que c'est son frère jumeau, qui lui est assez studieux, et il s'appelle comment, Brooklyn, voilà. Donc il est assez studieux, bon elle n'est pas là parce que j'ai pas joué avec, mais c'est pas grave. Et en fait il s'inquiète pas mal pour sa sœur parce qu'il la voit sombrer depuis une certaine nuit où elle avait un peu fugué. Et il se demande vraiment, qu'est-ce qu'elle a. Donc peut-être que Brooklyn la suivra, on sait pas. Et il y a la maman, alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Martika, comment ça se prononce ça? Donc Martika qui est plutôt bien roulée hein, pour une maman, c'est une bonne milf hein. Il n'y a plus de respect. Non, elle est vachement kiki, elle aussi. Bon, c'est peut-être leur grande sœur, remarque. Non, c'est leur mère, je sais plus. La meuf qui ne sert à rien. Oh, ça, c'est leur maman. Ouais, donc j'espère que vous entendez le son du jeu, que c'est pas trop fort. Donc voilà, on va jouer Iris. Iris, est-ce que tes besoins vont bien? C'est ça que je voulais faire, merci. Non, mais va pas voir ton frère. Ton frère, tu l'ignores. Du coup, on va bouger. Il est quelle heure? Il est 21h et ça m'a fait rire parce que... Petite... La revoilà. Petite anecdote, quand j'ai filmé l'intro, en fait, j'ai remis la famille jeune dans la famille vieille pour pouvoir la prendre enfant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, au moment de filmer, t'as Bertie qui est là, hein. Super Bertie, merci. Tu gâches tout l'épisode. Donc Bertie qui arrivait, qui sonnait à la porte, j'ai dit ouais, non, ça va pas le faire là. Et la revoilà, elle a pas intérêt de venir sonner hein. Mais non, mais tu gâches trop, mais tu gâches l'intrigue, il y a une queue de chat là. Mais non. On s'en fout, on est des thugs, on bouge, voilà. C'est abusé quoi. La meuf elle vient sonner chez nous, elle pourrit toute l'intrigue. Ça va mon bébé? Tu veux un câlin? Oui. Où est-ce qu'on pourrait aller? J'ai pas beaucoup avancé les lieux. Mais est-ce que tu peux te pousser, gros gal? Non, mais la mascotte, lui, hein? T'es chiant. Oui, 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 oui. Regardez, un petit squatter. Squatter! Le bébé. Le bébé à sa maman. Oui, oui, oui. Ah, et pour ceux qui savent pas, j'ai un tatouage. Voilà, je suis trop fière, alors j'arrête pas de le montrer depuis... depuis 15 ans, on s'en bat les couilles. Alors voici un salon de thé que j'ai fait. Pour ceux qui ont regardé mes petits lives improvisés, ils ont vu et m'ont bien fait chier.
Hein? Maxellentia, là! Parce qu'en fait, je voulais faire un salon de thé un petit peu japonais, asiatique, machin, ce que vous voulez. Et ils ont dit, oh, t'as qu'à faire un jardin japonais, Lupina. Et moi, ah ouais, trop bonne idée. Sauf qu'ils m'ont fait chier avec leur jardin japonais, donc le voilà. Ils étaient là, non, c'est trop petit. Non, c'est trop grand. Oh non, mais la rivière, elle est pas comme il faut. Et gna gna gna. C'était infernal. Mais bon, c'est pas grave, j'en suis plutôt fière de mon petit jardin. Je sais plus si j'y avais été dans un épisode. Et j'ai un gros blanc parce que je joue aussi un peu hors caméra pour, pour mettre les tenues, etc. Donc, donc voici comment ça se trouve. Il y a une petite cuisine, vraiment petite, c'est le strict minimum. Et un restaurant quand même assez grand. Donc je sais pas trop pourquoi on est là. Mais ce qu'on va faire, tiens, c'est que... Oh, il y a des vampires. Vampires, coucou. Bien évidemment, faut que j'arrête de dire bien évidemment parce que ça m'énerve. Iris ne sait pas que les gens sont des vampires, donc ce qu'elle va faire, c'est que elle va venir là et elle va commencer à demander un peu à tout le monde s'ils ont vu Bertille. Bon, c'est roleplay, hein, bien évidemment, parce que faut que j'arrête de dire bien évidemment, ça m'énerve. Je m'énerve, je sais pas, c'est mon nouveau tic de langage là. Je sais pas comment ça se passe. Vous me direz ce que vous pensez du salon de thé. Vous pouvez le retrouver dans la galerie à mon idée origine, Lupina sans cesser. Et ouais, il n'y a pas de cesser, mais j'ai tous les packs, donc je sais pas si ça revient au même. Ah, je renifle, super. Donc là, elle le salue. Alors eux deux, en fait, c'est une riche vampirette. Leur histoire, c'est une riche vampirette qui s'est barrée avec son majordome. Et je trouve ça très beau. Mais je crois que c'est Catilina qui les a fait aussi, cela. Elle est partout, celle-là! Mais je suis pas sûre, je crois que c'est elle. Je retiens Catilina parce qu'elle m'a fait au moins 5 familles, la gourgandine. Oh! Bonjour, est-ce que vous avez vu Bertille? Ce serait épique que Léontine l'envoie chier. Malheureusement, elle va pas le faire, mais... Alors, c'est super discret, Léontine. Merci. Merci de ta discrétion, là. Oui, les vampires sont censés se cacher et l'autre, elle s'envole. Bon, on va faire comme si elle n'avait pas vu. Ah non, elle est gentille. Ah, oh, fait chier. Bon, c'est pas grave. Au pire, elle se fera boire. Du coup, je pourrais un peu... Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour leur demander s'ils ont vu Bertille? Ah! Mais je sais! Je sais ce qu'on peut faire. Bon, c'est pas exactement ça, mais... autre Sims, faire l'éloge, se renseigner. Eh ben voilà, c'est parfait ça! Renseigne-toi, et toi aussi renseigne-toi. Bon, l'autre, ça va sûrement pas dire... Oui, c'est ma fille, vous la connaissez d'où, dis donc? Ah, ben je suis venue chez vous quand j'étais enfant! Ça le fait pas trop, hein. Se renseigner sur Bertille. Bertille est ma meilleure amie. Ah! J'adorerais faire sa connaissance. Ouais, lèche-cul! Lèche-cul! La meuf qui s'énerve toute seule. Et toi? Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Bertille. Quel dommage pour toi. Et elle, c'est qui? Ah bah c'est une autre ado que j'ai relookée. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est son frère? Son père? Son... Énorme. Énorme les cheveux. Et lui c'est qui? Romain Yen. Ah! Lui je sais ce qu'il est. C'est un alien je crois. C'est épique. C'est épique. J'ai une abonnée qui m'a envoyé toute une famille d'aliens. J'adore. J'adore. C'est original. Et du coup, je leur fais tenir un resto chic, mais je l'ai pas encore construit, le resto chic. Donc, vous inquiétez pas. Et en fait, je suis en train de pourrir le resto, là. Je suis en train de... de parler avec tout le monde. C'est abusé. Qu'est-ce que tu fais, gros gal? Tu fais des bêtises. Amical, est-ce que tu connais Bertie? La chieuse avec Bertie, tu sais. Salut, et toi, tu connais Bertie? On dirait un gosse. Tu connais Bertie?
Mince, je me suis renseignée sur la carrière. Techniquement, vu que Léontine a dit que c'était sa meilleure amie, elle devrait aller lui parler. Mais j'ai encore fait se renseigner sur la carrière. Mais vous voyez, Iris, elle sent pas trop Léontine. Il y a un truc qui fait que... Ah, ça passe pas. Il y a quelque chose de bizarre avec cette dame. Eh, mais il y a trop de monde là. Eux aussi, c'est des... C'est des... Ah, je suis pas sûre que ce soit des Sims créés, ça. Je ne sais pas. Tiens, lui aussi, on va se présenter. Mais regarde, on pourrit le game, en fait. Oh! Alors, Léontine est au resto avec Carmilla Biron. Je sais plus si c'est la mère de... Je crois que c'est la mère de Raphaël. Mais je suis pas sûre. Parce que moi, j'ai tout oublié, hein. J'en ai marre de moi. Alors, on va encore se renseigner sur Bertie. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que t'as avec cette meuf, sérieux? Épouse-la, elle nous fait pas chier. Ce serait tellement épique qu'elle rentre dans le magasin. Au lieu d'aller sonner chez moi, tu sais. Gourgandine. Alors, je n'ai pas eu le plaisir, je n'ai pas eu le plaisir. Ouais, bah, elle, je l'avais vue, en fait. Mais on lui a pas demandé à lui. Espèce de gourgandin, t'as pas répondu? Gourgandin! Bah, c'est quand tu veux, hein. Je n'ai pas eu le plaisir de la rencontrer. Ouais, bon, elle, on dit qu'elle cache, hein, parce que techniquement, leurs gosses traînent ensemble, alors elle sait un peu de qui ça s'agit, hein? C'était très français, tout ça. De qui il s'agit? Bah oui, quand même. Bon, bah du coup, on va quand même aller demander une table. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Surfer sur le web. Non mais oh. On va demander une table, on va prendre un petit verre. Allez, c'est le moment d'y aller. Genre maintenant. Ah oui, mes Sims sont buggés. Je sais pas ce qu'ils ont. Sur ma partie des princesses, il reste genre 1 minute entière, comme ça, figée entre chaque action. Donc j'ai réparé mon jeu, j'espère que ça va aller. J'ai enlevé les mods, je sais pas du tout comment ça se fait. Si vous avez le même bug, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, c'est perturbant. C'est bon, tu vas à une table? Il va te mettre où? Qu'est-ce que t'as, toi? Quoi, c'est verrouillé? Ah bah c'est embêtant si c'est verrouillé. Voici votre table, bon appétit. Ah, c'est très embêtant si c'est verrouillé et qu'il peut pas aller. Parce que j'ai testé en plus le magasin et il marchait. Ah ouais, personne n'a de. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Sortir le gâteau. Oh, énorme! Je savais pas que vous pouviez faire ça. Ça sert à rien. Dessiner, commander pour la table. Ah, mais tu veux squatter? Tu veux venir? Tu veux venir avec nous? Bon, bah tant pis. Alors, du coup, on va se prendre. Qu'est-ce qu'on peut se prendre? Ah là 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 là, chaud et fumant. C'est super cher. Avec un petit beignet au chocolat. Voilà. Bon, on n'est pas très riche, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, Iris, elle s'en fout. Elle veut juste retrouver Bertie. Oh, elle est jolie cette fontaine. Ouh, qu'est-ce que t'as la gazelle à courir là? La gazelle, c'est qui elle? Pauline Sims. Je sais pas si c'est à quelqu'un, peut-être. Je ne sais pas. Ah, ce serait bien une des filles de Kurama, je crois. Mais je suis pas sûre. Bon, allez, on commande et ensuite on rentre. Enfin, on rentre. On va voir dans un autre lieu. S'il y a Bertille. Je sais qu'elle était devant la porte, mais franchement, ça aurait pourri tout l'épisode d'aller dire « Oh bah tiens, salut, comment ça va? Ah bah dis donc, ça fait 15 ans que je te cherche, c'est cool que tu sois là. » Plutôt 10, mais bon. Ça fait... ouais, non, ils sont ados. Ados, c'est à quel âge? 15 ans? On va dire quand ils sont enfants, ils ont 8 ans. Ouais, bon, ça fait... je sais pas compter. Ça fait 7 ans que je te cherche, lol. Tu pouvais pas venir avant devant ma porte. ah bah c'est tout cassé. Ah non, c'est bon. Bon, ma... attends, est-ce qu'on peut se plaindre? Ah, il a toujours pas pris. Il a toujours pas pris ma commande en fait. Serveur de merde! C'est abusé!
Bon, et ben au pire, on se casse. Voilà. Ouais, mais non, non, c'est bon. C'est bon. Non, on va pas rentrer à la maison. On va aller ailleurs. On va aller ailleurs. J'ai testé le truc. Donc, à mon avis, j'ai dû verrouiller une porte qu'il fallait pas. Mais il y a un poil de chat sur la crème de mon tatouage. Ça va pas le faire. Ah, elle a faim. Elle a envie de faire pipi. Donc là, on est dans un bar qui s'appelle Chez la Moumoune. C'est un bar très, très rustique. Il y a mon chat sur mes genoux. Bah oui, parce que tant qu'à être collant, autant l'être jusqu'au bout. Donc, on va aller faire un pissou. Ah, c'est bon, c'est pour tout le monde, les toilettes. On va aller faire un pissou. On va commander au bar. Et puis, on va un peu discuter. Ah, ça, c'est à une abonnée. Donc, on va lui dire coucou. Allez, vas-y, va faire pipi, ma pauvre. Celui aussi est est dans la galerie. Tous les lieux que j'ai faits sont dans la galerie, hein, vous inquiétez pas. Il y a même l'appartement de Bertie et des garçons. Ils sont en pièces détachées. Je sais plus si j'ai mis les garçons. En tout cas, j'ai mis celui des filles, c'est sûr. Il est en pièces détachées. Vous avez tout ce qu'il faut, partie 1, 2, 3, machin. Il n'y a pas de souci. C'est qui celui-là? Ah, magnifique moustache. On dirait, comme dirait Miss Branette, on dirait un pornstache. Pardon, c'était très sale. Tant pis. Oh, on va prendre une saucisse curry parce qu'on a grave la dalle, nous. Bon, c'est bon, on te lave pas les mains, on s'en bat les couilles. La propreté, c'est quoi? C'est quoi l'hygiène? Qu'est-ce qu'on peut commander une boisson si la meuf, en fait, elle passe son temps à picoler? La pauvre. Alors du coup, est-ce que tu peux demander... Et il n'y a personne chez Moumoune, hein. En fait, ils sont tous au salon de thé. Alors, nanana. Autre Sims, se renseigner sur Bertille. On va mettre un peu de musique, tiens. Allumer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Jazz, machin, disco, classique, du blues. Oh, bof, en fait, c'est pas top. Changer station, alternative, baroque. Ah ouais, c'est bien ça. C'est beau, j'aime. Régler le volume élevé. J'adore. J'adore la musique classique. Bon, mais cela dit, ça colle pas trop à l'endroit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Station, alternative, baroque, classique, blues. Berceuse, préado, pop, new age, musique du monde, musique d'ambiance, je sais pas. Radio blabla, romantique. Le jazz, ça donne quoi? Ah, c'est mes musiques perso, donc on va éviter. Les droits d'auteur, tout ça. Ah, je savais pas que c'était dans le jazz. Ah, bah, en même temps, j'aime pas le jazz, du coup, oui, en fait, c'est logique. bah, musique de fin d'année, voilà. Donc, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle la connaissait pas. Bon, et ben, du coup, elle la connaît pas, donc c'est un peu infructueux. Qu'est-ce que t'as, Pépette? Nauséeuse. J'ai l'estomac en vrac. Ah oui, parce que y a le trait dégoûtant, je crois. Est-ce que tu peux t'installer ici? Voilà, mets-toi à table. Il y a vraiment personne dans cette barre? C'est trop. Bah, c'est chez la Moumoune, quoi. C'est. Voilà, donc c'est le bordel. C'est super rustique. Après, c'est fait pour un. J'avais envie d'un truc un peu vieux, un peu dégueu, si on peut dire. Bon, eh ben, c'est un échec. On n'a pas vu Bertille. Je sais qu'elle a frappé chez nous, mais c'est pas très roleplay tout ça. Vous allez voter dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires, n'importe quoi. Sur le petit, comme d'habitude, pour savoir si Iris va-t-elle retrouver Bertille? Réponse 1, non. Réponse 2, oui. Vous votez en cliquant sur le petit à droite par là. Il y a un petit quelque part sur l'écran. Vous votez et on verra ça au prochain épisode ou dans un futur lointain ou proche. On ne sait pas trop.
On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a fait un peu plaisir que je joue avec quelqu'un d'autre. Je pense alterner comme ça de temps en temps des épisodes avec les autres familles, même des familles qu'on n'a pas vues, parce que justement comme ça on fait un peu le tour. Et je trouve que c'est pas mal de faire de changer un peu. J'espère que ça vous plaît. La semaine prochaine, on retrouvera Bertille. Je sais pas si elle sera chez les garçons ou chez les filles, mais en tout cas, on la retrouvera. Je vous fais plein de bisous et salut! Thank you.